Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Bonjour à tout le monde, je suis Blaisiana, je suis étudiante, je suis interpellée pour l'histoire de la profanation du corps de DJ Arafat. Je tiens à préciser que je ne suis impliquée ni de loin ni de près à cette histoire. Je n'étais pas présente au stade ni au cimetière. Je suis simplement interpellée pour avoir fait des commentaires. Et donc je vais vous expliquer un peu le contexte. J'étais en train de discuter avec certains amis, vu que moi-même je suis fan de DJ Arafat. Donc mes amis disaient qu'ils n'étaient pas sûrs, d'autres ils étaient sûrs. Et moi, ayant vu une publication d'un certain Cassie Yoro, je me suis leur dit, bon, je vais faire la capture ou ce qu'il faut faire pour leur montrer. Et c'est comme ça que j'ai fait le copier-coller que vous voyez là, copier deux ou trois fois, voilà, que vous voyez là. Et c'est comme ça que tout est parti. C'était une discussion banale. Je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Je m'excuse vraiment pour tous les désagréments que ça a causé. Je suis vraiment désolée. Je n'étais pas sur les lieux de l'incident. Je suis vraiment désolée. Je demande pardon à la mère de DJ Arafat Momotina. Pardon pour les dégâts que ça a pu causer. Pardon aux enfants de DJ Arafat. Pardon à la femme de DJ Arafat. Pardon à toute la Côte d'Ivoire. Pardon, 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 encore pardon. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pardon aux Chinois aussi. Moi, je suis une femme d'Arafat et c'est vraiment déplorable. Je vous demande pardon à vous aussi. Je n'étais pas présente. Ce sont les commentaires qui ont fait. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire.